Gros bonsoir pour nous toutes. Nous, mercredi 3 juillet 2024, nous comptons rentrer la caille nous dans l'ESA en collaboration avec VOA Creole pour que nous capables venir informer dans le journal. Mais parmi quelques points à gagner pour nous venir développer dans le journal, là, nous avons opéré dans Gressier, et bien assassiné 4 membres dans une seule famille lundi 1er juillet passé. L'autre information, il y a un ministre défense pays haïtien, n'a parlé de Jean-Marc Berthier-Antoine, qui lui-même rencontré jeudi mercredi avec l'ambassadeur américain Denis Hankins dans le local ambassade américaine. Après que Nègre été kidnappé lundi 1er juillet, un peu paroisse grecière, n'a parlé de Emmanuel Saint-Elia, eh bien, monsieur ça qui vivait joindre la libération dans la nuit mardi 2 juillet 2024. Et puis, l'autre bord de l'eau, nous parlons d'informations ça concernant le président américain Joe Biden, qui lui-même a été rencontré ensemble avec démocrate dans l'idée pour qu'il soit capable, eh bien, rassurer qu'il est vraiment au top physiquement pour participer dans la prochaine élection qu'il y a pour fête. C'est ensemble un point avec plusieurs les autres. N'a bien pour nous développer dans le journal là, mais c'est pas la préparation. Une autre fois encore, nous saluons tous les amis internautes qui ont même connecté un journal là. Bienvenue dans le développement un journal là. Nous avons démarré le journal avec information concernant l'insécurité pour nous dire que, eh bien, il y a un examen qui a opéré dans la localité Grissier et qui a même arrivé à assassiner 4 membres dans une seule famille dans la localité Kirele Tibouka, qui est à Chitakol dans la commune Grissier. L'exécution ça a été faite lundi 1er juillet 2024, en dépit de reprise, eh bien, un commissariat Grissier par la police. Nègre qui continuait à imposer un loyer dans la commune, ils ont même pillé et incendié plusieurs cailles. Eh bien, il faut nous dire, mardi qui était 2 juillet, membres de la population civile ont continué à courir, eh bien, quitter Kayo par rapport avec répression, nèg aksam sa yo kap opéré dans la commune. L'autre information que nous prenons dans le journal, là, eh bien, gagné un ministre de défense pays d'Haïti, n'a parlé de Jean-Marc, eh bien, monsieur ça, qui lui-même relaie, eh bien, Jean-Marc Berthier-Antoine, qui rencontrait jeudi mercredi avec ambassadeur américain. Nous voulons parler de Denis, eh bien, Hankins, ministre de Défense Jean-Marc Berthier-Antoine. Il était chez à parler ensemble avec l'ambassadeur là et dans le local ambassade des États-Unis qui en Haïti. Denis Hankins, eh bien, Téchita, parler ensemble avec le ministre des Finances autour de mission multinationale d'appui à la sécurité. Mission que nous appelons MMAS, non? Eh bien, un sujet qui était lié ensemble avec coopération haïtiano-américaine en matière de défense, avec un accent particulier sous formation militaire haïtienne. Eh bien, tout ça a été abordé dans la rencontre qui était gagnée entre un ministre défense en pays haïtien, on a parlé de Jean-Marc Berthier-Antoine, ensemble avec ambassadeur américain en haïtien. Nous voulons parler de Denis Hankins. L'autre information dans le journal, après mener nous un dossier qui est pour eh bien avec insécurité, eh bien faut nous dit que gagné un curé et paroisse grecière. On a parlé de Révérend Père Emmanuel Saint-Elia qui joint Libération là, dans la nuit mardi 2 juillet 2024. On a rappelé que l'été est kidnappé lundi qui s'est passé dans l'enceinte presbytère là. C'est Nègre qui a opéré dans la commune qui a même été kidnappé Père Emmanuel Saint-Elia qui s'est Père dans la paroisse Gressier. N'a pas continué ensemble avec information. Cette fois-ci, nous parler à l'étranger, surtout aux États-Unis, pour nous parler de président américain Joe Biden, qui lui-même a rencontré avec plusieurs démocrates pour qu'il soit capable, eh bien, chita sous avenir par rapport ensemble avec candidature pour la prochaine élection qui vient pour fête dans le pays États-Unis. Et par rapport ensemble avec débat désastreux que l'on connaît jeudi passé, d'après le journal New York Times, eh bien, président américain, après une semaine,
que l'été qu'on ait un débat pénible, le président américain lit loin pour le capable effacer l'impression qui quittait pas 90 minutes dans un débat ça. Eh bien, il faut nous dire que le président américain était parlé ensemble avec monsieur, côté que lui confier que, eh bien, lui senti que lui OK, lui prêt pour que lui capable représenter parti démocrate dans la prochaine élection. Le président américain Joe Biden lui pas envisagé pour le capable retirer candidature lui dans un second mandat. Dans le moment côté que la multiplier est question sous acuité mentale après une performance qui pas OK par rapport ensemble avec Donald Trump dans l'occasion débat, eh bien démocrate là il continuer eh bien faire campagne, c'est ça que eh bien il fait qu'on est devant un journaliste qui était présent yo. Un journaliste t'a demandé, eh bien, est-ce que le président qui gagne 81 ans, il voulait retirer colle dans la question élection? Eh bien, porte-parole président Joe Biden t'a répondu absolument pas. Il voulait aller dans l'élection et il est prêt pour que il soit capable de participer dans l'élection en Sayo. D'après ça, que, eh bien, et porte-parole là, lui-même, lui répété. Faut nous dire que réseau CNN rapportait également que actuel président américain lui reconnaît en pile dans la conversation avec proche allié lui que le prochain jour sera très critique pour la campagne présidentielle là. En pile démocrate dont eh bien il a figuré dans un parti comme Nancy Pelosi, il mettait en question eh bien publiquement et acuité mentale président américain. On a parlé de président Biden comme quoi eh bien président Biden lui a gagné un problème mental lui pas fin trop normal par rapport avec l'âge lui, voire pour être capable eh bien demander ouvertement un retrait. Et même si eh bien appel yo rete jusqu'ici est très rare au niveau de Parlement. Voilà information comme quoi président américain Joe Biden qui était chita parler ensemble avec plusieurs démocrates pour que li capable eh bien garantir que li OK mentalement et puis physiquement pour le candidat après mauvais performance que li te bail dans dernier débat présidentiel, il était pour ton, eh bien, Joe Biden qui te connaît un mauvais moment par rapport avec débat ça en face à Donald Trump, ancien président américain, débat à qui lui-même t'est fait jeudi qui s'est passé là, il était pour ton réaction, eh bien, démocrate, après rencontre ça que président américain Joe Biden t'a gagné ensemble avec yo. C'est ensemble information que nous t'a gagné pour nous dire dans le journal là. N'a demandé de connecté. Eh bien, VOA Creole a continué ensemble avec un journal là. Rester connecté pour que nous soyons capables de suivre le journal là sous VOA Creole. À grande anse devant menace ouragan Beryl. États-Unis élection rencontre président Joe Biden avec plusieurs parmi 23 gouverneurs démocrates dans démarche pour bayo garantie li mentalement et physiquement capable pour être candidat pour présidentiel après mauvaise performance li te bay dans dernier débat contre ancien président républicain Donald Trump. Et c'est pour ça yo, avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment. Actualité mène nous d'abord dans New York côté Premier ministre Gary Coney devant Conseil de sécurité Nations Unies exposé et mission gouvernement transition pendant que lancé un appel en faveur de solidarité internationale pour aider Haïti sorti dans salier journée jodia Sandra Lemaire té gain et déclaration plusieurs représentants plusieurs pays dans occasion. Premier ministre haïtien Gary Coney prononcé un discours devant Conseil sécurité Nations Unies côté li bay détail sur situation Haïti avec travail gouvernement lien a fait pour résoudre crise qui a tracassé Haïti depuis longtemps. Coney dit débarquement premier contingent policier kenyan yo en Haïti marqué une étape essentielle dans processus pour rétablir sécurité en Haïti. En abordant la situation complexe et souvent tragique d'Haïti, il est essentiel de reconnaître que la responsabilité principale d'adresser nos défis incombe à nous, Haïtiens. Nous n'allons pas déléguer notre responsabilité.
Cependant, nous reconnaissons aussi que les actions et les politiques internationales ont façonné et continueront de façonner le contexte dans lequel nous luttons pour la stabilité et le développement. Cette reconnaissance mutuelle de responsabilité partagée est cruciale pour établir un partenariat respectueux et efficace, capable de soutenir Haïti dans la construction d'un avenir meilleur, tout en respectant notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. Koni exprimait confiance avec optimisme vis-à-vis progrès qui est déjà fait, en même temps que les détaillés gravité situation actuelle pays. Un contingent 200 policiers kenyans arrivés en Haïti semaine passée, dans cadre mission support sécurité pour Haïti, côté yo parlé des forces police nationales là combattre gang qui presque fin prend contrôle capitale la net. Délégation Haïti a une rencontre là, t'es inclus ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis. Représentant quelques parmi pays membres conseil là, t'es prend la parole. Ambassadrice États-Unis Linda Thomas Greenfield, t'es fait chita attendre avec Koni Apa. Côté yo t'es discuté sous mandat BINU, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, qui prend fin dans fin mois de juillet. Engagement États-Unis pour continuer supporter mission sécurité pour Haïti et puis GFO américain a fait pour appuyer régime sanctions qui visait exiger moun qui responsable pour actes violentieux prend responsabilité. The Haitian people deserve at long last to live in peace. Les peuples haïtiens méritent enfin pour vivre dans la paix, pour le travail, l'école ou bien l'église, sans menaces et violence. Ambassadeur de la Russie, qui occupait place présidence conseil la Moissa, critiquait États-Unis pour pas qu'il y ait des armes qui la Kaili dans le bateau acti avion pour armer Gagno. Ministre des Affaires étrangères République dominicaine, Roberto Alvarez, te présente tout dans la déclaration Pali. Monsieur dit ses responsabilités peuple haïtien avec les deux lieux pour gérer situation Haïti. Mais il félicite tout GFOR communauté internationale l'a fait pour aider Haïti sortir de la crise la confrontée à. Il a ajouté Haïti sous bon chemin. Envoyé adjoint Kenya dans l'ONU, Njambi Kinyugu, te prend la parole tout, côté l'été dit, premier contingent policier pays-li, recevoir un accueil chaleureux en Haïti et que y a déjà tombé opération à police nationale pays-a. Rencontre l'ONU a déroulé après rencontre Premier ministre Koni avec ministre Affaires étrangères Dupuis, t'es gagné avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans Washington hier mardi. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Faut qu'on dise que Premier ministre haïtien Gary Koni mettait discours ça devant membre Conseil sécurité des Nations Unies dans cadre virerond que l'a fait aux États-Unis après Washington New York. Nous qui sous place dans New York, Valérie Saint-Louis qui pourrait dire nous plus. VOA Creole, nous avons une mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies dans la Cour Manhattan. Côté que je vous dis, il y a une délégation officielle haïtienne avec à la tête le Premier ministre Gary Koni, justement, s'est rencontré ensemble avec pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au sortir de réunion, ça, eh bien, Premier ministre Gary Koni t'a fait parler ensemble avec la presse. Il était dit qu'il était très satisfait de réunion, ça, qui montrait engagement communauté internationale là, pour aider Haïti et aller au-delà de vraies causes insécurité avec instabilité. Ça qui dit même à Maspiné pays. Also the recognition that it has to include beyond the forces, but a commitment to addressing the root causes that sustain this type of. Il dit tout que il sorti extrêmement satisfait de rencontre là, côté que il senti que communauté internationale là gagne une solidarité que l'a fait avec Haïti, côté que ensemble yo reconnaître que situation grave et que yo obligé réussi. Léo te mandé pour force multinationale ça qui gagne la tête du pays Kenya qui suppose qui déjà gon premier contingent contre en Haïti. Premier ministre Gary Koni te répond pour dire que li au courant de efforts qu'a fait entre policiers kenyans ensemble avec policiers PNHA pour commencer couper insécurité dans pays. Il dit que y a travaillé très bien, y a coordonné efforts yo puis capable ensemble avec police nationale là coordonner efforts donc pour collaborer ensemble pour résoudre situation qui d'insécurité ça qui blaye dans pays. Il dit que il est très optimiste et il joint tout
en pile bon feedback qui sorti dans la population de participation force Kenya ça jusqu'à présent qui est en Haïti. Le journaliste posait la question, mandé d'après lui, puisque lui là en personne devant le Conseil de sécurité à l'Assaut de Palais, qui leur contingent de force policière à entrer en Haïti. Pour le ministre Gary Kony répond pour dire que lui pas au courant ni de date ni de l'heure qu'il a entré, mais il est très sûr que très certainement c'est pour très bientôt. C'est comme ça que le premier ministre Gary Kony a réagi devant la presse après qu'il était sorti. Malheureusement, d'après employé, il a fait nous connaître que il n'a pas programmé puis il a venu visiter mission pour aujourd'hui. De toute façon, nous sommes sur place, Gary Atidor, Valerio Saint-Louis, pour VOA Creole, depuis Manhattan, New York. Merci Valerio Saint-Louis, merci Gary Atidor. Et puis, il faut dire que le Premier ministre Gary Kony lui-même, dans l'occasion mauvais temps qui menaçait Haïti, a lancé un appel à la population, dans le moment que l'unité hydrométéorologique décrétait alerte vigilance rouge sous département sud, sud-est avec grande danse devant menace ouragan Beryl. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Malgré ouragan Beryl rétrogradé en catégorie 4, il est toujours représenté une menace pour Haïti. Dans ce sens, le Centre national qui a géré risque avec des as émet niveau vigilance orange sur tout code site pays d'Haïti. Marcelin Sterling, qui est coordonnateur du centre, mandé population veiller message autorité. De concert avec l'institution régionale, choisi de mettre Haïti sous surveillance cyclone. Et surveillance cyclone, ça, c'est ça qui fait nous mettre au niveau de vigilance jaune, face avec tout paramètre ça, yo, qui est capable, même s'il était loin, même s'il t'a supposé passer au large de d'Haïti. Depuis mardi soir, pour arriver mercredi 3 juillet, ouragan Beryl commençait à faire sentir présence liée en Haïti, notamment dans le département Sud-Est. DG Protection Civile, Emmanuel Pierre, dit population, pas occupé rimé, mais plutôt message autorité qui autorisé pour ça. Pas occupé rimé. Il y a des gens qui doivent dire, oh, ça va passer. Il y a des gens qui doivent dire, oui, il a passé, il a tout. Maintenant, les gens qui voient autorisé, c'est nous-mêmes qui là. Continuer à veiller message autorité. Et puis, suivre toutes consignes que nous avons fait là. Et que nous connaissons déjà. Premier ministre haïtien Gary Kony mandé à peuple haïtien pour suivre conseil autorité secouyo face à passage ouragan Beryl. Dans la région Grand Sud là, pas faire gros déplacement si n'a pas besoin. Pas prendre en main. Pas faire prendre toute précaution pour accident par humain. On nous rester réactif. Tendez conseil protection civile. Beryl touché pays la Jamaïque jeudi mercredi ensuite zilé Caïman après le fin la cause pour petit 7 monde perdu la vie et causé en pile dégâts matériels dans sud-est Caraïbes blanc selon centre américain ouragan. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Effectivement, tant que correspondant nous Yves Manuel Soudila, Beryl déjà fait dégâts dans Caraïbes, là, il y a au moins 7 personnes qui mourent. Nous allons rejoindre Gentil Augustin Junior qui a plus de détails. D'après les spécialistes américains, cyclone Beryl pose un danger vital pour Jamaïque et Zile Caïman. Centre national cyclone dans Miami, NHC, 10 cyclone Beryl. Apote ak li, vent maximum, kap soufle ak 230 km chaque ed tan. Sa ki fe, li se yon tempête kategori 4. President Joe Biden ap siveye ak an pil atensyon cyclone Beryl la. Kap deplase a travers Caraïbes la. Li di, administration li a pare pou supporte region an. E li encourage rezidan yo pou yo suiv direktiv lokal yo. Ignoring climate change is ignorer changement dans climat mortel, dangereux et irresponsable. Événement mauvais temps ça yo pas seulement affecter la vie moun. Yo coûter tout en pile l'argent. Yo bay économie en problème et puis yo gagne un gros effet psychologique négatif sur moun yo. Au moins 3 moun mouri et 4 l'autre disparaît sous côte caraïbéen Venezuela. Après cyclone Beryl, te déplacé dans direction nord à travers la mer Caraïbe là. Président Nicolas Maduro te dit hier mardi 2 juillet 2024 là. Beryl qui te gros la pli dans état nord Sucre. Côté li te la cause, yon rivière débordée qui te provoqué inondation. C'est ça média local yo rapporté. Président Maduro
confirmé gen 400 kay ki te complètement krasé et li voye condoléances pour parents victimes yo. Esta hora está confirmado el fallecimiento. Nous confirmé la mort 3 moun. Des garçons ak yon femme ke nanm yo repose nan la paix. Nous voye condoléances nous pour parents yo. Beryl pas seulement rive Venezuela. Yon vidéo drone Waters vérifié et confirmé date li te filmé a montre gros vague de l'eau sous côte République Dominicaine. République Dominicaine ak Haïti tap tan condition tempête tropicale la yemadi 2 juillet 2024 la. Service protection civile haïtien yan te fè yon conférence pour la presse pour sensibiliser population an sous passage cyclone Beryl. Depuis 2005 après Emily, c'est le premier système qui allait vite comme ça et qui brûle tout étape dans moins de 48 heures. Et ce sixième système, tout, depuis la fête surveillance dans la région, hein, qui en 20 premières semaines juillet, qui est en catégorie 4. Autant dire, pour me faire nous comprendre que la saison 1, j'aime te dire là, est vraiment active. La presse doit supporter nous dans la fête vigilance, le brigadier doit continuer. Et des populations, hein, ensemble système, nous devons continuer à faire travail sensibilisation. Beryl, c'est premier cyclone dans la saison 2024 là, dans l'Atlantique là. Et puis, premier tempête yo enregistré et qui arrive dans la catégorie maximum 5 sous échelle Saffir-Simpson. Au moins 7 moun déjà perdu la vie yo pendant passage cyclone Beryl là. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil, ou sou VOA Creole, ou ap suivi yon programme nan langue créole haïtien, pas déplacé, l'autre point de actualité dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché sous VOA Creole n'a pas de mettre depuis Washington DC et ça fait nous un pile plaisir de ce que nous avons pile dans nous qui branché que ce soit sur Facebook ou bien sur l'autre plateforme que nous gagnons et VOA Creole a continué accompagner. L'autre point dans actualité c'est élection ici aux États-Unis gain président Joe Biden jodi a qui rencontré avec plusieurs gouverneurs et démocrates et la PC est convaincu que vraiment li physiquement et mentalement en mesure pour continuer cours là pour la représenter parti démocrate là dans élection qui fixé pour et novembre Kavila. Pendant ce temps tout gain président dit que lui-même il pas d'accord avec décision cour suprême n'en prend pour bay ancien président Donald Trump immunité contre poursuite légale pour action il t'a posé pendant fonction officielle. Jean-Aubert Philippe a suivi pour nous de très près situation. Jean-Aubert, eh ben il pas metté tout de côté ingérence ancien président Donald Trump dans élection et 2020 Jean-Aubert. Oui, l'élection que suivant n'a pas touché question ingérence et ingérence et président Donald Trump, ancien président Donald Trump dans l'élection présidentielle 2020. Alors sa présidence Joe Biden a fait kounya parce qu'après débat et le fait que le tapé des moments était dans le débat, et puis il y a un pile parole qui t'a parlé, qui t'a demandé même pour te démissionner, c'est ça que les démocrates t'ont demandé. Eh bien, je veux dire, elle confirme que l'IPAP fait un paquita, un panago, l'a fini l'élection, juste l'a crité dans la course là, jusqu'à ce que l'élection soit fini. Et c'est confiance ça que devait bailler. Tout le monde qui a demandé pour quitter Koussa Kounia, il n'y a pas aussi facile, étant donné qu'il est très difficile pour remplacer un président dans une position pareille et pour remplacer un candidat, un parti, étant donné que ça, ça a demandé pour ça. Le président Joe Biden n'a pas mis le nom en bouche pour lui critiquer la décision de la Cour suprême des États-Unis qui dit qu'il n'est pas capable de poursuite légale contre l'ancien président pour action officielle posée pendant le sous-pouvoir. Une décision qui vient pour avec soi-disant implication ancien président Donald Trump dans l'attaque qui était faite sur Capitole là 6 janvier 2021. Decide whether Donald Trump's assault on our democracy on January 6th. Président Biden déclaré que le peuple américain doit décider si oui ou non l'attaque Donald Trump a fait sur la démocratie noire si janvier 2021 ne fait pas qualifié pour occuper la plus grosse position publique pays. Le peuple américain doit décider si c'est un bagage qui est acceptable pour Trump de servir avec violence pour conserver le pouvoir.
Ancien président Donald Trump a mis un message dans ce qui semblait médias sociaux liés à Truth Social pour dire que le suprême n'a démenti totalement puis fort chef accusation qui était gagné contre moi. Joe Biden doit qu'il là retirer chien lui. Pays a doit qu'il concentrer sous grandeur encore. Puis au tribunal là, pas écarté actuel dossier qui devant tribunal sur une ingérence électorale contre Donald Trump qui en bas accusation comme quoi l'État a essayé renverser résultat élection 2020 yo, que Joe Biden a remporté. Harold Krent, professeur de droit dans Chicago, a déclaré to the extent that he was acting as a private candidate, dans mesure il était agi comme un candidat privé, action liyo t'a considéré comme action qui pas officielle. Mais étant donné qu'il t'a parlé avec vice-président concernant ça, il était quoi vice-président doit faire dans le Sénat, étant donné qu'il t'a parlé avec le ministère de justice là pour connaître si oui ou non t'es gain faute dans l'élection, donc il t'a pas agi comme officiel. Événement 6 janvier 2021 était mentionné brièvement pendant débat jeudi 27 juin, mais le VKPA a capable utilisé comme une grosse question pendant campagne électorale là. Si campagne Biden voulait aborder sujet, David Ramadan, qui a pensé sciences politiques dans George Mason University, parlait pour dire. That's why I put the burden on the Biden campaign. C'est raison ça qui fait nous la responsabilité à sous campagne Biden non pour le rappeler électeur indépendant. C'est une grosse question pour yo. Yo doit rappeler yo ça chaque jour. Ça gagne 3 ans population capable commencer oublier et yo commencer à réfléchir avec leur bagage. Ak électeur américain qui s'est polarisé à droite et à gauche, électeur indépendant est capable de basculer l'élection dans un camp ou bien dans l'autre. David Ramadan a ajouté, électeur indépendant est capable de faire différence là, est capable de faire réussir ou bien écraser. Mesdames, yo, dans cette liste-là, comme une portion dans l'électorat, jeune électeur, c'est une autre catégorie, mais yo pas électeur indépendant. Dossier ingérence électorale trop plein a continué à tribunal de base instance qui prend décision importante avec accusation qui est appropriée après décision Cour suprême. D'après expert, il est capable difficile pour gagner un jugement contre Donald Trump avant l'élection novembre 2024. Là. Verdict, un tribunal te gagne pour prendre contre Donald Trump 11 juillet qui vient là, et bien verdict ça l'y envoyé pour mois septembre. En attendant, campagne Biden a de décider si oui ou non, il a utilisé attaque 6 janvier 2021 comme un point central pendant campagne électorale. Développement qui gagne dans l'actualité électorale ici aux États-Unis. Nous retournons dans l'actualité concernant le pays d'Haïti avec réaction sous force multinationale qui gagne en tête li Kenya, qui débarquait déjà en pays d'Haïti, qui déjà gagne un premier contingent avec 200 moun. Nous prenons dans la communauté haïtienne dans Massachusetts avec Erlich Dorelas qui pourra dire nous qui genre communauté haïtienne réagit sous développement ça. Plusieurs compatriotes haïtiens dans la ville Boston ont parlé dans Mikoreo à Creole sous arrivée troupes Kenanyo sous territoire pays d'Haïti. Opinion personnelle, moi ouais, nous t'es qu'à servir avec force police là, avec l'armée, et nous bâillons équipement et puis ils sont capables de frapper bandits sans que nous pas besoin de force entrer en Haïti. Comme ils ont déjà venu, moi-même, m'a suivi pour nous ouais ça capable. Est-ce que tu as agrippé base sécurité ou non mais étranger? Sécurité d'abord. Mais qui sont définis. Sous-définis que c'est vous-même, ce qu'on territoire pas, c'est vous-même qui vous faites. Vous prenez un policier sorti au cap pour la mettre en sécurité pour vous, parce que vous avez un résultat. C'est mon envie là pour prendre, parce qu'on voit que les bandits sont rentrés et qu'ils terror dans la ville, qu'ils ont terrorisé la population. Et bien, c'est de même, nous prenons analogie ça dans le sens. Capoa pour Port-au-Prince et bien prendre pour Kenya. Bon, nous croyons que tant que tout haïtien, ouais, connaît tout que pour y avoir un problème de sécurité. Donc pour les stations là, effectif les réduit, gain pile policier qui déserté, gain policier qui était entré dans gang tout. Donc Haïti besoin aide. OK, donc on passe présentiel
est capable d'aider le nouveau gouvernement qui là ensemble avec le conseil présidentiel là et améliorer la sécurité dans le pays. Monsieur Kenya qui arrive en Haïti, nous avons soif, nous avons soif. Nous avons besoin, nous avons need ni en urgence. Quel que soit le monde qui a venu de nous, nous avons toujours besoin. Et souhaitons-le, ça a dit, à venir faire, tu as une sécurité et tu as un changement dans le pays parce que nous avons aimé faire la CAINO et nous avons dirigeant la CAINO pas décidé de faire, obligé et demander help de nous. So, si nous avons venu, nous avons une chance pour nous garder pour qui ça a fait. Face à climat et sécurité qui a prégné sur le territoire du pays d'Haïti, en pile, les Haïtiens n'ont pas qu'à passer vacances avec famille et amis. Révio, c'est retourné en Haïti, elle fête, elle célébrer. Erlich Dorilas, depuis Boston, Massachusetts, pour la Voix de l'Amérique. Et pour l'autre réaction encore, nous allons aller dans Atlanta, Georgia, côté que nous allons rejoindre correspondant nous, Yumi Janet, qui va dire nous qui la communauté haïtienne dans la zone par là réagit par rapport à la situation. Depuis les premiers groupes 400 soldats kenyans débarqués dans le pays à mardi 25 juin qui s'est passé, pas suspendre provoquer réaction dans la communauté haïtienne dans la diaspora. Plusieurs citoyens VOA créole te questionné, montré au pessimisme sous des affirmations pour quelqu'un pour le faire face. Et par rapport à gang qui est en Haïti, vous voyez simplement 400 soldats qui pour faire face à gang ça yo, ça pas représenté rien. L'état pour moi même penser le tap plus bon pour ta investir l'argent la police nationale là, les soldats haïtiens yo, et bien je pense que yo plus compte terrain hein, pour que yo t'es capable de faire face à bandits si et seulement si yo ba au moyen nécessaire. Et monsieur Kenya yo, c'est pas eux même qui solution pour pays là, parce que gien des couloirs monsieur Kenya pas connaît sous périmètre là, yo pas compte terrain assez vraiment, même la police comment tu monsieur a victime dans menex ça yo. Mais allez voir monsieur Kenya qui sont force étrangers qui pas compte périmètre là, qui pas compte terrain. Mon cher monsieur, il doit te gagner volonté pour résoudre problème là, mais le vin rivé sous terrain j'ai été pensé là l'île nettement différent parce que autorité politique yo pas permettre nèg yo faire travail la vrai parce que gang li en faveur nèg yo. Citoyen yo fait connait tout pour mission ça réussi, faut que yo cherche connait qui moun ou bien qui secteur qui se bois des banane gang yo. OK, ou fin tuer et monsieur ça yo. Mais Koulia, est-ce que vous attaquez vraiment problème là? Vraiment problème qui est lié, c'est oligapio. Oligapio, c'est eux-mêmes qui ont le contrôle, si monsieur. C'est eux-mêmes qui mettent monsieur aux armes. Monsieur a Kolio, avec Soulier, il n'y a pas de mettre mes souillons. C'est à partir du moment où il a commencé à mettre mes sous monsieur à Soulier, pour arriver sous nègre avec sa patio jusqu'à ce que peut-être nous t'écarouer gagner en activité cap mener vraiment parce que vraiment pays a vu un danger. Yomi Janit pour VOA Creole. Et bien dans le département nord pays a un groupe Sergi Med qui organisé un forum sous santé dans ville cap haïtien Gérard Maxino. Forum ça qui était consacré sous santé dans le département nord a été organisé sous initiative groupe Sergi Med. Réalité des affaires santé et spécificité avec défi dans ce qui est à oué avec développement durable, c'est le thème qui te débat dans le forum. PDG sur Jimed, Dr. Wesley Joseph expliqué objectif forum ça, c'est pour décrire des défis avec un jeu qui est à oué avec santé dans le département nord. Nous connaissons que le département nord a un peu de problème santé. Par exemple, nous n'avons pas de ça nous capable briller un examen tant qu'un un scanner un malade qui fait un stroke, il a besoin soigner pour connaître s'il est hémorragique, ça veut dire est-ce que c'est vaisseau qui pété qui a saigné dans tête li ou bien est-ce que c'est un vaisseau qui bouché. Malade ça pour jouer un scanner là, il est obligé monter pour au prince ou bien le traverser République Dominicaine. Donc tout ça dans forum ça, nous t'ai invité ensemble de prestataires de soins dans département pour être capable venir parler santé, par les problèmes que a confronté au niveau de département. Yon chirurgien orthopédiste docteur Emmanuel Siak expliqué gien pile faille qui besoin combler dans système sanitaire noir parce que pour ça qui gien awe ak spécialité là, c'est seulement 7 orthopédistes cap offrir service dans toute grand noir. Par rapport à recherche que m'te fait pour que moi t'ai préparé pour présentation, moi remarqué que orthopédie a gagné
malgré un pile exploit que nous réalisé dans domaine nan nan noa, mais nous gen pile faille que nous besoin combler. Yon nan faille yo c'est que dans recherche que moi fait moi gen 7 l'hôpital seulement qui a offri service orthopédie dans toute grand noa qui gagne plus que 1 million de monde et statistique 2015 yo montre que gagne à peu près 1.5 million de monde qui vivent dans grand noa. Économiste Ezia Emile te parlé des liens qui gagnent entre santé et économie qui gens pouvoir d'achat qui influencer accès à soins santé et qui gens santé influencer productivité dans un pays. Leur économie ou gen moun la dan k'ap viv en bonne santé ki jan sa pral affecter positivement productivité yo lò non travail de même que pour ti moun l'école lè lan santé la pran bi bien et la pran bi bien sa pral gen impact sou croissance économique. Donc gon liaison étroit entre économie avec la santé et c'est pour ça que moi toujours très content lèm gen invitation pour me venir dans type d'événement ça yo et staff suji med la souhaiter événement ça capable constituer une base donnée pour améliorer le secteur sanitaire noa et puis continuer faire plaidoirie bon côté décidé yo ak secteur privé a Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Merci Gérard Maxino et c'est avec les derniers reportages ça que n'a mette fin dans programme là un plaisir pour nous te servir. Pas oublier demain c'est 4 juillet c'est indépendance les États-Unis, c'est anniversaire plutôt indépendance des États-Unis. Donc n'a gagne un programme spécial occasion. Donc c'est ça nous fait comme d'habitude depuis gagne un moment spécial et ben nous présenter un programme spécial. Donc demain 4h30 c'est 12h30 a gagne un programme spécial donc nous inviter au branché. Invitez-en mon branché tout parce que VOA Creole a gagné un programme spécial. Merci pour attention, merci pour fidélité. Merci Sibas, merci Nelson et puis merci Jean-Marc Hervé Abela, Semblier Gentil, Augustin Junior. Moi c'est Jacqueline Belizer. Merci Jean-Robert Philippe qui était kembe pour nous. Et ben nous connaît deux cavaliers pour le cas. Moi c'est Jacqueline Belizer. Donc à demain. Football n'attendait là, c'est pas ni dans pays la Russie ni dans pays Ukraine, mais c'est coup de balle qui gagne dans Solino dans minute n'a parlé là. Faut nous dire depuis plusieurs jours, plusieurs mois, eh bien quartier Solino c'est une cible pour monsieur Vivant Samyo. Plus précisément monsieur Belair et monsieur Delma 10. Eh bien, qui ça qui passe? Faut nous dit que c'est depuis hier soir, gagnant éventuelle attaque qui visait quartier Solino. Monsieur Vivant Samyo planifié pour que vous capable attaquer quartier Solino pendant le match Brésil contre Colombie. Match ça n'a pas rappelé qui était joué hier soir. Le fait que yo programmé pour yo capable eh bien faire attaque ça pendant match là c'est parce que yo konnen majorité moun dans match yo a profité pour que yo capable faire poter mourir. Qui raison qui fait que vive ensemble monsieur Belerio plus précisément yo ciblé quartier Solino et yo nan objectif yo tôt ou tard quartier ça a en bas main yo. Mais faut qu'on dit jusqu'à présent population Solino yo met ensemble avec monsieur Boydio pour que yo pas livrer quartier Solino pour que Solino pas eu un territoire perdu yo. Eh bien monsieur yo, grand bonnet jeudi mercredi yo fait une attaque yo porté bourré sous quartier Solino. Entendez qui gens ça te dit. Et bien c'est comme ça, et bien coup de balle, tap chanté, puis bon et pas bon, dans quartier Solino Delma 24. Mais faut que nous disions que la population Solino, li pas traité sans que yon pas réagi. Yon te réagi à tout moyen que yon possède.
yo utilisé roche, yo utilisé en pile cocktail Molotov, yo utilisé tout et bien plusieurs bouteilles pour que yo capable répondre par rapport ensemble avec Asso, monsieur vivre ensemble qui soit si Bel Air, qui soit si et bien Delma 6, Delma 18, Delma 10 pour que yo capable attaquer yo. Et yon nan bagay ki important jodi an, faut nous dit que monsieur vivre ensemble yo, yo utilisé yon stratégie. Qui sa stratégie an yé? Joune jodi an, depuis que ou habite nan zone vivre ensemble, depuis que ou habite nan zone ki genye yon foyer de gang, yon nan bagay que monsieur utilisé, joune jodi an, c'est prekat électoral. Automatiquement, yo pren 4 noure les 4 électorales là, qui c'est 4 dermalogues là, eh bien, ou pap ka sorti, ou pap ka kite zone là, ou ap oblige rete zone là, vrai objectif yo, c'est pour yo capable pren moun nan zone là, comme bouclier yo, par rapport avec éventuel attaque qui prévoit fait nan quartier populaire yo, entre la police, l'armée et les forces, eh bien, Kenyan. Population Solino, li pa traité inactif. Yo pa kouri, yo campé bataille. Malgré que yo pa gen zam, mais gen en pile policier dans zone là qui campé ensemble avec population et population ouais la police campé ensemble avec yo, yo bataille, yo di yo pa livré, eh bien zone Delma 24, zone Solino by monsieur vivant ensemble yo. Pendant que t'es gagné gros coup de balle dans zone Solino par rapport avec attaque ça que Nèg Belèr yo t'a fait et bien sous population Solino, nous capable regarder sur écran n'a pour premier ministre Gary Conille. Et bien premier ministre Gary Conille qui pas dans pays qui connaît premier voyage li en terre étrangère. Premier ministre Gary Conille, dans une minute, n'a parlé ensemble avec nous là. Eh bien, premier ministre Gary Conille, l'y retrouvé, eh bien, dans la zone, l'y retrouvé Washington, côté que l'y a participé dans une réunion Nations Unies. Pendant que premier ministre Gary Conille a participé dans une rencontre ça, eh bien, aux États-Unis, dans Washington, l'y a profité pour le bail une interview avec RFI, Radio France Internationale. Et dans l'occasion ça, Premier ministre Gary Conille lui fait une grosse déclaration. Une autre fois encore, Premier ministre Gary Conille déclaré que pas de question négocier ensemble avec Bandi sans que Bandi pas reconnaître autorité l'État. Et Premier ministre Gary Conille lui allait plus loin pour le dire, pas de route pas bois. Mettez la paix dans le pays, tout nèg a arrêté. Si vous faites la paix à quelques gangs, eh bien, l'essentiel là, la fait la paix. Mais tout bandit a arrêté, il a profité tout pour te parler de l'élection que il a pour organiser dans le pays. Il promet que la reprendre contrôle tout territoire national. Déclaration que premier ministre haïtien, Gary Conille, li fait nan yon interview que la baye confrère nou yo nan Radio France Internationale RFI. Gary Conille fait konnen force policier kenyan ki vini nan peyi an pou aider la police ensemble avec l'armée, yo pa ka deside sans la police ak l'armée. Ki donc force nan seulement attend mot d'ordre la. Force nan attend la police bay signal la pour que yo même yo capable mettre yo en mouvement. Premier ministre Gary Conille fait connait quel que soit ça yo faire nan yon délai qui pas trop long, eh bien l'État a prendre contrôle tout territoire national là. Li parler de gang yo, li dit n'importe bagay gang yo a préparé yo pour yo faire là sauf que li garanti population nan yon délai ki pa trop long, l'État a prendre contrôle tout territoire national là d'après premier ministre Gary Conille. Nan yon question que ont te posé premier ministre Gary Conille,
sous Jimmy Cherizier, chef gang notoire, porte-parole Vivre Ensemble, eh bien, yo te mandé Premier ministre Gary Conille, eh bien, est-ce que li prêt pour le capable de dialoguer ensemble avec Jimmy Cherizier, en pile moun connaît sous nom barbecue, d'ailleurs, qui se porte-parole Vivre Ensemble, qui se chef gang dans Badelma. Et Premier ministre Gary Conille, bay même réponse que li te bay yon journaliste en Haïti concernant question ça. Gary Conille répété et n'a cité. Li fait connait que faut monsieur déposer zam et reconnaître autorité l'état avant même yo commencer dialoguer ensemble avec yo. Qui donc pas gen route pas bois. Si toutefois monsieur Vivre Ensemble yo décider négocier ensemble avec bien Premier ministre Gary Conille, li dit pas gen route pas bois. Tout d'abord, monsieur doit déposer zam, yo doit reconnaître c'est autorité qui gen pouvoir. Pouvoir c'est nan men autorité. Nèg exam pa gen autorité d'après réponse eh bien Premier ministre Gary Conille bay ensemble avec journaliste français ça qui t'a fait interview ensemble avec lui. On a attendé interview ça que Gary Conille t'a bay Radio France International en attendé. Tony, monsieur ba yon interview là dans un média dia ça c'est nous pral attendé et bien interview ça que Premier ministre Gary Conille li bay ensemble avec média ça qui s'est refait. Faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Un, pour rappeler la situation d'Haïti où 80% du territoire de la zone métropolitaine est contrôlée par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très très sérieux. Donc ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner. Vous avez promis que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kényans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien ? Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative. Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet ? C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible. Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement notamment pour ces policiers kényans. Ce genre d'opération en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils se sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise. Pour l'heure, ces policiers kényans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions ? La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou à une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider. 2500 hommes pour appuyer une police qui est en sous-effectif. En face, on estime qu'il y a plusieurs milliers de membres des gangs. Est-ce que c'est suffisamment dimensionné ? Je pense qu'il y a trois considérations. La première, c'est que la sécurité, ce n'est pas seulement une affaire de police. C'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète. Et le succès de l'opération ne peut que se matérialiser. La pérennité de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police. Et ce que ces contingents nous permettent de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de
renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers et des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, c'est pas une fin, l'accompagnement de la mission. C'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités. Est-ce que cette lenteur relative du déploiement de la mission internationale de soutien, est-ce que cette lenteur permet aux gangs de s'adapter, de voir comment s'adapter à la force qui va leur être opposée, tout simplement? Comme je vous disais tout à l'heure, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment avec les limitations que vous connaissez. Et donc, en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national. Est-ce que nous tendez bien ça, Gary Kony, ce dit là? Quel que soit ça y a fait là, y a préparé pour y faire, li promet peuple haïtien nan yon délai qui pas trop loin, eh bien l'État a reprendre contrôle territoire national. C'est pas n'importe monde qui parle, c'est yon chef, et c'est pas n'importe chef, c'est premier ministre haïtien. On continue tande Gary Kony. Un puissant chef de gang, que l'on appelle Barbecue, il a fait savoir qu'il était prêt au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vos équipes ont des contacts avec lui? Est-ce qu'on discute, quand on est le gouvernement d'Haïti, avec les gangs? Comme j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques semaines, il faut d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant tout dialogue. C'est ça la première démarche. Vous déposez les armes, vous reconnaissez l'autorité de l'État et ensuite on verra. Au-delà de la sécurisation du pays, Premier ministre Gary Kony, journaliste Mandel, gen yon puissant chef gang qui rele Barbecue. Barbecue vle dialogue. Est-ce que nous déjà dialogué ensemble avec lui? Premier ministre dit que li te gen ta répondre question ça déjà semaine dernière. Li fait connait que premier démarche là, il n'y a pas ni une ni deux bagailles. Il a déposé les armes, il a reconnaître l'autorité de l'État, laisse ça, nous capables de commencer à dialoguer. En gros, le Premier ministre dit que jusqu'à présent, il n'y a pas de dialogue ensemble avec gang. Pas de pièces membres dans le gouvernement là qui commencent à dialoguer ensemble avec gang. Mais pourtant, il n'y a pas écarté la possibilité de dialogue là. Mais pour dialoguer, gagnons marche à suivre, gagnons bagay qui nous est fait avant. Et ça qui nous est fait là, il parle l'autre que déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État et l'État, il est capable de commencer à dialoguer ensemble avec nous. Encore, on continue à attendre Premier ministre Gary Kony. Le système de santé sont à terre en Haïti, n'existe pratiquement plus. Plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Comment est-ce que votre gouvernement compte répondre à ces urgences? Quelles priorités vous définissez? Le gouvernement de transition est en place sur la base d'un accord qui est l'accord du 3 avril et qui définit clairement les grands axes d'intervention et les priorités. Évidemment, il y a la sécurité, il y a la crise humanitaire, il y a les problèmes de corruption, entre autres, et certainement les élections. Nous venons de terminer 2 jours de retraite où les différents ministères ont complété des feuilles de route qui identifient très clairement comment nous allons avancer vers ces différentes priorités de manière organisée. Et justement, le but de cette visite, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que nos partenaires peuvent nous accompagner de manière très systématique dans la mise en place de différentes stratégies qui, à notre avis, devraient pouvoir aboutir. Je dois vous dire que, ce qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est que au cours de ces dernières semaines, les partis politiques qui en général ne s'entendent pas ont pu arriver à un consensus pour construire un système de gouvernance qui a maintenant un conseil présidentiel de 9 membres. Ces 9 membres ont pu s'entendre sur un premier ministre, nous avons pu mettre en place un gouvernement en 7 jours. La force est arrivée, la population a accepté plus ou moins cette formule transitoire. Donc moi, ça me donne beaucoup, et la communauté internationale est très mobilisée
utilisée beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Donc je suis assez confiant qu'avec cet accompagnement, nous allons pouvoir réussir. Nous attendons un extrait dans l'interview que le Premier ministre Gary Conny te baille Radio France Internationale jodi. Et Gary Conny dit objectif voyager, c'est pour le capable à chercher des partenaires internationaux pour capable aider pays à sortir dans situation que lié là. Bon, c'est ça li vraiment important. Li ou un problème qui est là, li pas capable pour côté li, mais l'a chercher bras international. En parlant de bras international, faut qu'on dit que il y a plusieurs pays, il y a plusieurs responsables de pays, diplomates de pays que Premier ministre Ariel Henry, Gary Conny de préférence, et bien chita ensemble avec eux et gen réponse qui positive pour Haïti. Ça a vraiment important pour nous porter précision. Comment c'est gen des réponses positives, et bien Gary Conny joindre par rapport ensemble avec partenaire que li gen tan chita ensemble avec lui. Dans cas ça, li rete pour nous tendre, et bien évolution situation dans qui sens qui gens par qui façon yo pral aider Haïti et surtout gouvernement eh bien Gary Conny là une principal problème que eh bien premier ministre Gary premier ministre eh bien Conny li mettait devant pays que li chita ensemble avec yo une principal problème li parle autre problème insécurité ya. Nous capable regarder sur écran là n'a point image ça. Li parle que Rudy Thomas Sanon. Rudy Thomas Sanon, c'est un journaliste. Eh bien, jodi an, Rudy Thomas Sanon fait gros révélation. Et révélation qui est capable de mettre gros courir dans la République. D'après Rudy Thomas Sanon, il y a un pile pression, nèg parti politique qui a commencé, eh bien, by directeur général. Police nationale, là, on a parlé de Normil Rameau. C'est ça qui fait jusqu'à présent, Normil Rameau, pourquoi qu'il agit d'après Rudy Sanon. Rudy fait qu'on est, n'est pas ici par les pays à changer. Et c'est tout le système, là, eh bien, qui toujours gagne pouvoir dans le monde. C'est tout le système, là, qui toujours apprendé, il a rampé pour qu'il soit capable toujours gagner pouvoir dans le monde d'après Rudy Sanon. Il y a les plus loin pour le dire, eh bien, je dis, c'est sous droite pour nous t'ajouter un monde que nous sommes capables de compter sur lui. Un monde que nous sommes capables de faire confiance. Parce que la majorité des gens qui sont là, c'est des souples choux. C'est des choux que vous avez. C'est des petits des pouvoirs que vous avez. Vous n'avez pas pour un pays, mais vous avez pour un poche. Vous avez pour être propre tête, d'après Rudy Sanon. Rudy Sanon a les plus loin, il fait qu'on est que. Gayon membre nan conseil qui t'a mandé yon directeur général COB pour le kembe poste. Et vous dit di raison qui fait que li pa cité non moun sa, c'est parce que li pa vle et mes directeur général sa nan show. Parce que li te chita parler ensemble avec li nan bureau, montant li te mandé nan, et bien c'est A2. Automatiquement, il révèle les montants, eh bien, conseille ça, la pouè, eh bien, de qui est-ce à parler, automatiquement, c'est directeur général la cap dans show. Et vous dites que vous n'êtes c'est pas un petit crasse comme, c'est un paquet comme que, eh bien, conseille ça, l'imande ensemble avec directeur général là, pour toujours que vous postez, li doué balcon. En attendant, vous dites ça non. Ou dit ça nous maintenant quoi ça je avec raison que gen des haïtiens jodi a peuple haïtien pas faire confiance parce que moun yo là nous connaît moun yo jusqu'à présent tout ça d'après proche Ariel yo là tout ça d'après ce gouvernement Ariel yo a fait des points commissariat nek sa yo là sous pouvoir là. Nègre la depuis en avril, qu'on a nous jodi à 1er juillet, mais bandi a pour commissariat toujours. Parce que son bon tirade d'auteur qui plus chita la raquette
jusqu'à présent gagné même conseil présidentiel là qui a fait pression sur mon directeur général là pour ba yo pour attendez bien oui vous dit ça on dit gagné dans conseil là à présent qui a fait nous comprenons ça pas nous montant fixe sous directeur général entendez vous dit ça non capoter détail capoter précision avec raison que gain des haïtiens jodia peuple haïtien pas fait confiance parce que moun yo là nous connaît moun yo jusqu'à présent tout ça d'après proche Ariel yo yo là tout ça n'a proposé gouvernement Ariel yo a fait des points commissariat nèg sa yo là mais nèg sa yo là sous pouvoir là nèg yo là depuis en avril qu'on a nous jodia 1er juillet mais bon dia pour commissariat toujours parce que son bon tiradoteur qui plus chita la raquette jusqu'à présent gagné même conseil présidentiel là qui a fait pression sur mon qui directeur général là pour bon et pour ba yo pour attendez bien oui attendez bien ba yo l'argent à présent nous comme pour que ça me ban un montant fixe on m'a conseillé de un directeur général pour qu'il me poste. Le contrat m'a pas montant, m'a pas dit non montant l'ami quoi là et pas peut-être pour me protéger directeur général là. Peut-être ça seulement. Parce que depuis m'a montant que le conseiller présidentiel a mandé directeur général ça, la preuve qui est. Est-ce que nous tendez bien d'après ou dit Thomas Sanon gagné un membre dans conseil présidentiel transition qui mandé un directeur général un montant pour kembe poste li et automatiquement yo bal comme ça la kembe sous pouvoir la kembe nan poste li et ou di yon nan raison qui fait que li pa bay non moun sa, c'est parce que li vle protéger directeur général là. On continue tande Rudy Thomas Sanon. Bon quoi vous mande on nèg, c'est ou même nèg là, il en bureau nèg là vini, secrétaire nèg là pas là, l'autre moun pas là. Qu'on a depuis m'dil nèg là pour qui est. On a m'ba vle mettre nèg là en position pour nèg là pèti job li. M'obligé, m'konn baga là m'di nous même pas ka bay nous. Mais autrement m'dap di nous mais qui est. Que tel conseiller m'a dit tel quoi. Et pas un petit quoi petit, non? Et pas un petit quoi petit. Et puis là, je dis, mes amis, je ne comme ça. Je ne suis pas salé, je ne suis pas gay. Ah, moi, je n'ai pas besoin de job. Est-ce que nous tendez automatiquement, directeur général répond. Eh bien, Mounsa, qui fait partie de CPT, li pagé comme ça, qui sa moun qui nan conseil répond, eh bien, ou poko besoin de job. Ça veut dire, monsieur conseil, d'après ou dit ça non, d'après ça que directeur sa rapporté ensemble avec ou dit ça non, c'est brasser, monsieur Ovin brasser, nan conseil là. On continue, tande. C'est ça qu'a réglé là mes amis. Pas qu'a fait pays qu'a réglé. C'est-à-dire donc problème de sécurité nous gain là Kenya vinn là à Kai. Là la preuve nous même peut-être pas nous bagaille. Qu'on a ça pour nous faire pas quitter nèg la média vinn bluffer nous. Attendez ça me dit nous bien. Nous même pas qui gon bon nèg la média là qui o sait qui était yo te la Ariel gen pat la Ariel tout gen qui était très opposé à Ariel ben gen qui était la Ariel jusqu'au cou jodi là tout en bas vente gari koni blon la mode ki ba yo et nèg sa yo nan émission yo va ba nous menti pour gouvernement. Nous font ti camper là. Vous dites ça, non, dit,
pour ne pas quitter pièce journaliste vin bluffer nous. Parce que majorité moun ki la yo, majorité moun yo pral ba yo, c'est ancien premier ministre la motte qui ba yo. Et yo te en bas vente ancien premier ministre Ariel Henry. Qui donc, Haïti prend un complot. D'après ou dit Thomas Sanon. Et journaliste sa yo, yo pral fè propagande nan émission yo, yo pral montre yo que Jean Moun sa yo même, yo bon, d'ailleurs c'est seul sauveur pou peyi. On continue tande ou di. Yo pral oriente nou, yo pral ba nou menti. Nya baga ki gade nou si nou kipe yo. Se nek sa yo, se mesene yo ye. Se mesene mikro nek sa yo ye. Se sa job yo se kon sa yo riche. C'est comme mercenaire micro nèg sa riche. Nan vann micro yo. Je di a koni gen yon paquet nan yo la poche li. Sa gen ti media en ligne, sa kap travay la radio, ki bagay, yo pa lwa ekri des article la, pa okipo. Job yo ap fè. En tout cas, ou di pale en pile parole et parole sa yo kapab mete kouri nan la République. M'pense que li vraiment important pour que eh bien ministère commissaire gouvernement Port-au-Prince t'attendait ou dit Thomas Sanon parce que en d'accord aujourd'hui si n'di n'a fait pays pas ka gen si tire si pa gen si tire pa bien volé automatiquement conseiller ça li te mandé comme blanc faut directeur capable gen le courage pour le dire mais qui conseiller et faut qu'on dit capable bail non eh bien non eh bien et directeur général ça et pour directeur général ça capable bail non conseiller ça qui te checker qui te contacter dans bureau et faire demande ça parce qu'elle a vraiment bon pour république là la bail république là yon coup de main nous pas gain trop pour dire nous capable dire oui nous charger pour dire mais nous obligé camper là mais n'a dit ou comme ça que li toujours important pour que ou capable abonner ensemble avec plateforme nous automatiquement ou abonner ou recevoir notification yo à chaque fois que information arrive sur nous et eh bien n'a bien possibilité pour que nous capable et eh bien tendre yo en même temps et nous tendre yo partager yo ensemble avec yon proche nous, yon zami nous, yon fami nous, pour que yon capable informer avec nous, mais en temps réel. Et pas oublier, quitter yon message pour nous par rapport ensemble avec information. Nous te prenons plus de plaisir pour que nous te capable informer pour yon l'irrité ou même pour faire travail pour l'an, pour abonner, commenter et puis liker information.